Bonjour à tous, et oui, la nouvelle est tombée, il n'y aura pas d'écrit, il n'y aura pas d'oral cette année pour le bac 2020. Alors comment ça va se passer? Eh bien, c'est un jury qui va déterminer si tel ou tel élève a le niveau du baccalauréat ou non. Que va prendre en compte le jury? Il va prendre en compte d'abord le livret scolaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le livret scolaire? Les notes. D'abord les notes du bac anticipé de première, bien sûr, mais aussi les notes de terminale. Sauf les notes de confinement, qui sont considérées comme n'étant pas tout à fait objectives, puisque certains ont pu être aidés et d'autres non. Donc les notes du premier trimestre, début de deuxième trimestre, et puis des notes éventuellement en juin, quand les cours reprendront. Il n'y a pas que les notes. C'est pour ça qu'il faut continuer d'être concentré, de travailler même pendant le confinement. Le jury tiendra compte aussi de ce que diront les professeurs en matière d'investissement, savoir quels ont été les efforts apportés par l'élève, quelle assiduité il a montré, est-ce qu'il a répondu, est-ce qu'il a fait les exercices demandés, pardon, et quelle a été sa progression. Donc, avec tous ces éléments, ce jury qui est composé d'inspecteurs, de professeurs, d'universitaires, va être à même de dire oui, tel élève est reçu au baccalauréat, non, tel élève ne l'est pas, et si oui, avec quelle mention? Parce que les mentions sont maintenues. Mention bien, mention très bien, mention assez bien. Et la question aussi que l'on peut se poser, c'est est-ce que le jury va tenir compte du niveau du lycée? Parce qu'en fait, tous les professeurs ne corrigent pas de la même manière, tous les lycées n'ont pas le même niveau. Oui, la réponse est oui. Dans le sens où il va y avoir une harmonisation, c'est-à-dire que certains professeurs mettront par exemple 11 pour une très bonne note et au baccalauréat, cet élève pourra avoir une mention bien. Donc, ils vont regarder d'abord la note la plus basse de la classe, la note la plus haute, la moyenne de la classe, comparer tout ça avec la note de l'élève. Ensuite, voir quelles ont été les mentions au baccalauréat les années précédentes dans ce lycée. Et en fonction de ça, ils vont décider d'attribuer ou non la mention. Bon, j'espère que j'ai été très claire. Maintenant, évidemment, je ne le souhaite à personne. Certains d'entre vous, peut-être, auront la mention ajournée pour le baccalauréat. Pas de panique, il y a des oraux de rattrapage, comme d'habitude. Les résultats du baccalauréat auront lieu le 7 juillet. Et les oraux de rattrapage du 8 au 10 juillet. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis je vous envoie un grand courant d'air marin depuis Saint-Malo. À bientôt.